Le feu s'est allumé au moment où je me suis levé. C'est ça. Il suffit que je me lève pour que le feu se lève aussi. Je suis devenu si important que si je venais à disparaître, ce serait la fin du réseau. C'est une très grosse responsabilité à porter, même pour moi. En plus, j'ai faim. Fait que là, qu'est-ce qu'on va rajouter? On va rajouter les oreilles. Wow, c'est cool. Comme ça. C'est un écureuil spécial. Il a un bonnet. Savais-tu que les écureuils portent des bonnets? Comme toi l'hiver avec une tuque, là. Mais eux, ils ont des bonnets. C'est juste que nous, les êtres humains, on les voit pas. Je vais te poser une question. Est-ce que t'aimes ça que la bande dessinée soit en noir et blanc? Est-ce que t'aurais aimé mieux l'avoir en couleur? Non, c'est juste que je trouve ça intéressant que ça soit en noir et blanc parce qu'on voit plus ses détails, je trouve. Et là, Kinji a une espèce de symbole. Wow. C'est le seul écureuil qui a un symbole. Puis tu vas le voir dans le livre. C'est quoi ce symbole-là? Puis il est super important pour la suite des événements et peut-être même de la survie de l'humanité. Je travaille en bleu parce que lorsque j'étais... j'ai travaillé un peu en dessin animé. OK. Puis en dessin animé, ils vont vraiment travailler avec ce genre de crayon-là. Oh. Un écureuil sans queue. Ah, il faut que je fasse un personnage qui a perdu sa queue. Ah! Oh. Oh, je viens d'avoir un méchant flash pour le deuxième album. Parce que Kinji va rencontrer des écureuils qui ont vraiment faim. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe, mais dans la forêt, il n'y a plus de nourriture. Il arrive quelque chose. Il y a un vieux sage qui va dire la forêt arrive à son terme. Bon, je trouve ça vraiment impressionnant que c'est un coin de table en 5 minutes. Il y a quelqu'un qui est capable de faire cette qualité-là. Là. Comme un écureuil, il possède toujours un excellent départ. Tu peux avoir une signature? Non. Non, hein, moi, le... Oui, je veux dessiner. Je suis là pour ça. Ben, oui. Hey, tellement. Bon, alors regarde, tu vois. T'es prêt? J'ai aiguisé. Moi, quand je fais une dédicace, tu sais, t'as tous les auteurs vont là. Bon, je viens de casser ma main. Moins un. Moi, ça, c'est mon crayon bleu avec lequel je fais mes crayonnés. Fait que, qu'est-ce qui est cool, c'est que la dédicace est vraiment comme un crayonné, comme si t'avais un crayonné dans l'album. Fait que tu nous fais-tu l'honneur? Bien sûr! Super. Vas-y, puis le côté avec les noisettes. Oh! Le couteau est là, vas-y. OK. Ah ben là, je vais-tu prendre le côté avec les noisettes ou sans noisettes? Est-ce que je laisse la... les gens dire... Qu'est-ce que je devrais faire? Écoute, fais comme tu veux. Et je vais prendre cette noix qui me fait de l'œil. Et voilà! Wouhou! Bon, là, je vais le faire sourire. Kinji, il sourit pas beaucoup. Parce que il arrive toutes sortes d'affaires hein, dans la bande dessinée. Puis dans le deuxième, là, ça va être pire parce que là, là, et là, là. Ah! Ça commence comme un Indiana Jones quasiment, là, le deuxième. J'en ai lu un peu des mangas. C'est sûr, je voyais la différence justement au niveau des onomatopées. Puis on dirait qu'au niveau graphique, il y a moins de plan large, plus très proche. Ouais! Ouais. C'est génial. C'est pas pire. Moi, d'habitude, je regarde jamais à la bonne place. C'est bon? Non, non, c'est bon. Ah, oh, ben, Colin, j'ai fait une bonne photo dans ma vie. T'attendais le bon moment. Ensuite, elle chauffe. Puis ça dépend. Oui, c'est pas vrai. Je vais signer quand même. Oui. Bon, parce que, tu sais, admettons, j'ai à peu près 5 minutes de faire un dessin. Si je dépasse de 5 minutes, je signe pas. Toujours des bonnes idées comme cela. C'est bon du gâteau noir. Hein? Ça, c'est. Ah, il est tellement. Écoute, on est choyé, là, ici. Là. Alors, regarde, tu vois, ici, c'est quand même. Le dessin est quand même très rapide. Manon,
voulait que je sois dentiste ou médecin. Ah, bon, ça, c'est classique. Comme tout le monde, hein, évidemment. Je serais Franquin ou rien. Ouais, ben exactement. Moi, moi là, dès que j'ai ouvert un album, j'étais tout petit cul. Et puis, j'étais tannant. Fait qu'on m'a envoyé en bas dans la cave. Parce que j'étais tannant. Puis là, mon oncle, mon grand-oncle, avait des bandes dessinées. J'avais 5 ans, toi, j'ai pris ça, puis j'ai fait. Tu sais, ça m'a. Blasté. Et à partir de ce moment-là, j'ai su que je voulais faire ma vie. En ce moment, aujourd'hui, en 2024, c'est tout ça. Le mot super. La connexion avec l'auteur. C'est super important. Fait que quand je vais dans les écoles, ben, je fais un lien avec les élèves, tout ça. Puis, tu sais, dans le fond, c'est. Choisir une bande dessinée, c'est choisir son auteur. C'est quoi? Voilà. C'est ça. Mon frère André. C'est ça, hein? Ça, je l'ai dit. Mon frère s'appelait Gilles. On s'appelait tous pareil, Jean. J'avais une carte qui s'appelait Xélil. Tu sais, il y en avait quatre Stéphane dans la classe, tandis qu'on a plein de bons noms aujourd'hui. En tout cas, moi, je leur dis bravo. À qui je paye le bouquin? Ah, je ne sais pas. Moi, il faut que tu payes ça. Est-ce qu'il faut payer? Je suis obligé de payer. Est-ce que celui-là est pour vous? Regardons s'il y a une erreur dedans. On va faire c'est pour nous, comme ça. C'est ça, ça j'ai dit. Ah oui. Donc, quels sont les noms? On a notre Céline ici qui fait les chandails. C'est elle la base des chandails. Hey, merci beaucoup. Ben, j'espère, vendredi, je suis là. Mais tu regardes, vous regardez. Sont excellents. Elle, tantôt, est en train de me mimer toute l'affaire, elle faisait du théâtre. Je suis à Saint-Donat. C'est de toute beauté. Puis, j'entendais des écureuils tantôt. Là. C'est sûr, vous allez me dire, des écureuils. Alors, mais regarde, c'est beau. Des écureuils, tu sais. Ah, j'ai trouvé dans son habitat naturel. Il est pas mal roux, lui, hein? Je te le garantis, ça prend plus que des souliers pour venir ici. Ça te prend des bottes de marche. Parce que je suis pas pire beurré. OK, là, j'ai mes pieds là. Fait que j'ai officiellement les pieds trempés. Il faut faire les hauteurs de chez nous parce que quand ils crient sur nos patelins, c'est le fun. Bonjour, c'est quoi son nom? Nelly. Nelly. Oui. Nelly. Allô. Connais-tu Kenji? Elle est où? Tu vis Kenji? Regarde ça, toutes tes accommodations. C'est cute. Table à pique-nique, toilette, salle à manger.
Il y a tout ça. C'est vraiment cool. Fait que probablement que... on viendrait l'hiver. Bienvenue au randonneur. Ça sent encore le bois. Il y a quelqu'un qui s'est fait un petit snack. Ils sont réchauffés. Il y a des bottes. Il y a une place pour dormir. Wow! Du gros luxe. Fait que j'étais en haut de la montagne. Je sais même pas c'est quoi. On voit le lac à l'ours au bout. Je parlais avec une madame qui avait un chien. Elle était pas à l'aise devant la caméra. Fait que je l'ai pas filmé. Mais j'ai montré la BD de Kenji, Stéphane. Je vends des livres en haut de la montagne. Mais j'avais pas ma machine Interact. Puis la madame avait pas de cash. Alors, elle va l'acheter, j'imagine, près de chez elle. Mais c'est sur sa liste. Je travaille pour toi. C'est parce que t'es un auteur de Saint-Drona, c'est pour ça. Là. Hey, c'est beau chez vous, en tabarouette. Il y a des canards par là. Tu veux Kenji? Allô? Ça prend 10 ans à l'OD, il n'y a pas de réseau ici. Parce qu'en fait, ici, le réseau des écureuils est beaucoup plus développé que celui des humains. À la Johnny Mobile. Allons-y.